L'église suspendue est l'un des monuments coptes les plus célèbres d'Égypte. Elle se distingue par son style architectural rare, qui fait d'elle l'une des plus belles églises du Moyen-Orient. Elle est considérée comme un lieu de culte depuis le 5e siècle après Jésus-Christ, en plus de sa position moderne de premier siège des patriarches au Caire. L'église suspendue est située à la rue Maligerges, dont le quartier du Vieux-Caire. Elle est construite sur les ruines d'un lieu où la Sainte Famille, la Vierge Marie, l'Enfant Jésus et Saint Joseph, le charpentier, se réfugient pendant les 3 années qu'elle passe en Égypte, durant leur fuite d'Hérode. Le gouverneur de Palestine qui a ordonné l'assassinat des enfants, de crainte qu'un prophète n'apparaisse parmi eux. L'église se trouve à proximité de la mosquée de Amr Ibn al-As, du temple juif de Ben Ezra, de l'église de Semmina, à côté de la forteresse de Babylone, de l'église Martyr, Mercury, Abu Sefin, et de nombreuses autres églises. On donne le nom de suspendue à l'église parce qu'elle est construite au-dessus des 2 grandes tours d'une forteresse romaine édifiée par l'empereur Trajan au début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Thank you.
L'église suspendue est la plus ancienne des églises en Égypte. Certains pensent qu'elle est un lieu de retraite où vivait une moine, dans un tunnel rocheux creusé dans ce lieu. L'église est restaurée plusieurs fois au cours de l'ère islamique, une fois sous le règne du calife Haroun al-Rachid, lorsque le patriarche de Saint-Marc a demandé au gouverneur de lui permettre de la restaurer. L'autre fois, à l'époque du calife fatimite, El-Aziz Billah, qui a permis au patriarche Ibrahim de restaurer toutes les églises d'Égypte et de réparer tout ce qui a été détruit. La troisième restauration est sous le règne d'Ali Zahir. À l'époque, l'église était le siège d'un grand nombre de patriarches depuis le XIe siècle. Le patriarche Christodoulou est le premier à faire d'elle le siège du pape d'Alexandrie. Un certain nombre de patriarches y sont enterrés au cours du XIe siècle et XIIe siècle. Leurs portraits et leurs icônes sont encore dans l'église, éclairées par les bougies. L'Église témoigne également des jugements des prêtres, des évêques et des hérétiques. Elle est considérée comme un important lieu de culte pour les Coptes, vu sa longue histoire, son lien avec la Sainte Famille et sa présence parmi des églises et des monastères sacrés, ce qui permet aux visiteurs de l'Église de visiter aussi ces lieux.
La façade de l'église est située du côté ouest, sur la rue Maligergues. Elle est construite sur deux étages de plan basilical. En face d'elle, il y a une fontaine. L'église mesure 23,5 mètres de long, 18,5 mètres de large et 9,5 mètres d'hauteur. Le corps principal a une nef et deux étroits bas-côtés, séparés par deux rangées de 8 colonnes en marbre blanc, sauf une en basalte noir, empruntée à d'autres édifices, chacun avec une charpente voûtée. Il est à noter que les chapiteaux des colonnes sont de style corinthien. L'église comporte trois sanctuaires. Celui du milieu est dédié à la Sainte Vierge, celui de droite à Saint Jean-Baptiste et celui de gauche à Saint Georges. Plusieurs centaines de personnes fréquentent cette église unique en son genre chaque jour. La porte nord de l'église en bois de pin est incrustée de nacre. Il y a aussi la tribune de la Jaconde, datant du 8e siècle.
Les décorations en bois sont sculptées en relief avec des motifs géométriques et des croix incrustées d'ivoire, transparents et d'ébène, remontant au XIIe et au XIIIe siècle. Parmi les plus importantes acquisitions de l'Église suspendue, les icônes et les tableaux incarnant les membres de la Sainte Famille et les saints. Il y a 110 icônes dans le sanctuaire de l'église. Au-dessus du sanctuaire du milieu, il y a des icônes représentant le Christ sur le trône, la Vierge Marie, l'ange Gabriel et Saint-Pierre à sa droite, et Jean-Baptiste, l'archange Michel et Saint-Paul à sa gauche. Au sommet de l'autel, à l'intérieur de ce temple, se trouve un auvent en bois soutenu sur 4 piliers et derrière une plateforme pour le sacerdoce. Dans la partie droite de l'église, des portions de journaux nationaux égyptiens sont accrochés sur l'un des murs, montrant des événements et des scènes de l'histoire moderne de l'église liées aux Coptes en Égypte, dont peut-être la plus importante est l'apparition de la Vierge Marie dans son église du quartier Zatoun à la suite de la défaite de la guerre de 1967. Thank you.
L'église renferme aussi un panneau en bois datant du 5e siècle après Jésus-Christ, documentant l'entrée du Christ à la ville de Jérusalem. Le dôme est élevé par des anges à chacun de ses quatre coins. Le plafond de l'église suspendu est conçu en trois formes, soit ronde, indiquant que Dieu n'a ni commencement ni fin, soit sous la forme de la croix du Christ ou d'un navire, qui est une métaphore de l'arche de Noé, à cause duquel l'humanité a continué à nouveau. Le plafond repose sur 8 colonnes à droite et 8 autres à gauche. Ces 8 colonnes font allusion aux 8 personnes survécues au déluge. Ce sont Noé et sa femme, et ses fils Sam, Cham et Japhet et leurs femmes.